Cette position, très relaxante pour votre partenaire, vous permet de pétrir plus facilement les muscles du cou qui en ont rudement besoin. Le massage essentiel est le massage complet du corps, une synthèse des techniques suédoises, locales et sectorielles, et du massage californien qui privilégie la globalité. Le développement de votre massage dépend de la personne massée. Certaines parties du corps peuvent être plus travaillées que d'autres. Votre massage est donc à chaque fois différent et adapté à la personne. Vous ferez alterner manœuvres profondes et superficielles, locales et globales. Et vous pourrez varier le rythme et la vitesse d'exécution selon les effets souhaités. Retenez bien que si vous massez trop longtemps un même endroit, une certaine lassitude peut s'installer. De même, si vous passez trop rapidement d'une zone à l'autre, une impression de flou, de manque d'unité pourra être ressentie. Tout est au fond question de nuance. Chaque manœuvre, pour obtenir sa pleine efficacité, doit être répétée plusieurs fois de suite, mais sans exagérer. Le massage essentiel est à chaque fois une création, on pourrait même dire une recréation pour celui qui le pratique. Il n'y a pas de règle absolue. Ce qui compte, c'est avant tout l'intention de bien faire et de faire du bien. Habituellement, et c'est conseillé, la personne massée est nue. Mais là encore, ce n'est pas une obligation.